Pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je tourne la partie 2 du hall Action. Oui, Action Nouveauté. Voilà, aujourd'hui, ça va être plus précisément sur le scrap déco. Voilà, je vais refaire un peu mon bureau encore. Et oui, on n'arrête pas, franchement, on n'arrête pas. Voilà, et bien sûr, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé dans mon Action. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans les vôtres, mais n'hésitez pas à me le dire. Voilà, alors, on commence. Ça, c'est pas scrap. Hop. Alors, mon mari a voulu acheter ça. Alors, je lui ai dit, pourquoi faire? Et c'est vrai qu'il a eu une très, très bonne idée. Quand on va manger en terrasse, je ne sais pas vous, mais nous, on se fait bombarder de mouches. Et on est toujours en train de faire la chasse aux mouches. J'ai une phobie des mouches, voilà. Ça fait que, bon, je ne sais pas si elles vont passer, normalement non. On va tester et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ferai un retour. Voilà. Alors, j'en ai pris deux. Quoi? Mon mari en a pris deux à 1,11€ pièce. Le diamètre, il fait 25, j'ai vu, sur 13,5, ça doit être la hauteur, voilà. Et vous voyez, quand vous faites votre assiette, voilà, vous la mettez dessus. C'est 25, en général, les assiettes, elles font 23. Alors, ça devrait aller tranquillou, voilà. Allez, mais je vous ferai n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, il s'est pris des dates, ben oui, on était à la caisse. Pardon, hein. Il s'est pris des dates à 99 centimes. Bon, il aurait pu s'en passer, mais bon, tant pis. Alors, je ne les connais pas, j'en ai jamais pris des dates à Action. On verra ce que ça donne. Ensuite, dans mon haul précédent, je vous ai dit que actuellement on était en pleine reconstitution d'un dossier pour mettre des panneaux solaires, voilà, et clim et financement, parce que du coup on se fait financer. Alors j'ai pris 3 chemises. Elles sont à 44 centimes pièce. Bon, elles sont très très légères. Mais j'avais acheté cette chemise-là à 89 centimes. Mais le souci, c'est que, voilà, ça ne va pas rentrer. C'est trop grand. Alors, vu que je veux faire un seul dossier, ce que je vais faire, c'est que avec la... Alors, il faudrait déjà que je regarde si je fais ça. Alors, attendez. On va faire un peu de scrap dans ce hall. Hein. Je vais essayer un truc. J'ai pris au plus près. Mais je pense que même ça va être un peu compliqué. Alors, au plus près. Oh, mais non, ça va. Ah, ben là aussi. Alors, attendez. On fait du scrap. Alors, c'est ici. Là, ils auraient pu marquer un peu plus les plis. Voilà. Hop. Et là, du coup, eh bien, ça peut faire le... Eh bien, c'est impeccable. Ça peut faire le job. J'ai de l'épaisseur. Je peux même mettre à celui-ci. Voilà, voir ce que ça donne. Mais ça peut faire le job. Il faudra juste voir une fois que mes papiers seront dedans. Voilà, alors, j'en ai pris 3 à 44 centimes. Et j'avais pris celui-ci déjà à 89 centimes.
Voilà, plus que à ranger. Et là, je vais me faire des étiquettes pour savoir, pour pas chercher. Voilà. Alors, je pense que je vais faire financement dans celui-ci, par exemple. La clim dans celui-là et les panneaux dans celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Bon, j'ai trouvé ces petits ces petits oiseaux à 97 centimes. J'en ai pris deux. Un peu, on va dire, rouge-gorge, parce qu'il a la gorge un peu plus rouge que l'autre. De toute façon, il restait plus que ça, à 97 centimes pièce. Voilà, je vous les présente comme ceci. Alors, mon mari va les mettre dans les photophores que nous avons à l'entrée. Voilà, un petit délire de mon homme. Ensuite, j'ai repris pour le scrap à 1,49€ les protections. Alors, il y a deux styles, j'ai vu. Mais moi, je prends les 60 sur 60. Et les autres, je crois que, il me semble, c'est des rectangles. Mais je crois qu'il y en a moins. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, moi, je prends toujours ceux-là. Alors, voilà, il y en a 7 à 1,49€. Alors, je m'en sers pour le scrap, mais aussi je m'en sers parce que ma petite chienne, elle va faire 14 ans et elle se laisse aller, voilà, le plaisir. Pas parce que elle n'a pas d'incontinence, c'est que madame, elle ne veut pas sortir, et, voilà, ça l'embête. Voilà, alors j'en ai pris qu'un à 1,49€. J'ai repris. Ça va tout tomber. J'ai repris pour le scrap aussi. Mais aussi, quand je ferme mes enveloppes, je consolide toujours avec ça. J'en ai pris deux cette fois-ci à 44 centimes. Alors, ils ont pris. Moi, au départ, je l'ai payé à 39 centimes. Maintenant, c'est 44. Bon. C'est pas grave, j'en utilise pas beaucoup, mais quand même, voilà. Il faut en acheter à chaque fois. Là, alors, je range. Ensuite, j'ai pris un tampon. Alors, c'est un cachet en bois à 89 centimes. Et j'ai pris celui-ci. Alors, bien sûr, avant de l'acheter, j'ai vérifié que je ne l'avais pas. Et effectivement, je ne l'ai pas. Voilà, et c'est bien parce que vous pouvez coloriser à l'intérieur, libre choix de couleur, et le tampon est juste magnifique, 89 centimes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour le scrap? Alors, j'ai repris aussi des sachets comme ceci. Par l'eau, j'en ai pris deux. C'est 50 pièces à 89 centimes. J'en ai repris deux. Ça, c'est pour la boutique. Mais je m'en sers aussi quand je fais des envois. Voilà. Avec un petit mot gentil dedans. Ou pour mettre, pour protéger mes cartes, mes créations aussi. Avec l'humidité et tout, ça prend l'humidité, mais ça, du coup, ça fait des cornes, ça les abîme. Pardon, ça les abîme. Et moi, je prends toujours sur le format A6. C'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai pris. Hop là. J'ai pris, j'en ai pris deux. Alors, il y en a un qui en a moins que l'autre, bien sûr, c'est normal. C'est parce que j'ai voulu tester. Et vous allez avoir bientôt un tuto, même plusieurs tutos, sur la création d'un portfolio. Voilà. Alors, j'ai déjà utilisé tout le rose parce que le modèle que j'avais avant,
Le rose était plus. Alors, il faut savoir que plus vous gardez votre papier en longueur, plus les couleurs s'atténuent. Et celui-là que j'avais, c'était vraiment un rose plus léger. Et celui-là, il était un peu plus foncé. Voilà. Et puis à 99 centimes, j'en ai pris deux. Vous avez 40 feuilles. Elles font 27 cm sur 35 et demi. Et je cherche le grammage. Ah, et c'est du 200 grammes en grammage. J'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris une bombe aérosol en métal, puisque je suis en train de refaire aussi ma déco extérieure. Voilà. Et il me fallait une métallique. Voilà. Et je l'ai pris en noir. Voilà. Métallique black. Elle est à 2,99. Mais pour l'instant, ça va aller au garage de mon mari. Ensuite, j'ai pris, toujours pour le scrap, j'ai pris. Alors, ceux-là, je ne sais pas s'ils sont nouveaux ou pas. Puisqu'au fur et à mesure ils mettent des dies, mais moi je dis ils devraient faire plusieurs d'une fois sur l'autre des catégories, puisqu'on ne sait jamais si c'est des nouveautés ou pas. Mais moi je les avais jamais vus, alors du coup voilà. Alors 1,99€. Alors ça c'est des coins. Alors je vais vous faire voir. C'est des coins. Là, on en a un avec des cœurs et là, on en a un tout simple. Voilà. On a aussi une petite, on va dire, fleur qu'on peut mettre en bas d'une carte. Voilà. Et on a, voilà, on a aussi, voyez, voilà ce que ça donne à la coupe. Voilà. Et là, on peut faire un embellissement et avec un tampon. Au milieu, c'est super joli. 1,99€. Ensuite, j'ai pris aussi à 1,99€. J'ai pris ce format-là. Alors, je vais essayer de faire un modèle de carte que j'ai vu. Alors, je ne promets rien puisque moi, j'ai pas les dies de Stampin' Up. Eh ben non. Mais c'est vrai que. Et on a trois modèles. Voilà. Je vous en dirai des nouvelles. Et pour finir, j'ai pris celui-ci aussi. J'en ai plein, mais voilà. Mon mari va me tuer à force. 1,99€. Et pourquoi pas? J'ai dit, on va faire de jolis trucs. Ensuite, toujours pour le scrap. Là, c'est vraiment basé sur le scrap aujourd'hui. J'essaye de regarder, de ne rien oublier. Alors, j'ai trouvé. Alors, ça, c'est apparemment, c'est une nouveauté puisqu'il y en avait, il en restait trois. Alors, est-ce que ça a été parti d'un coup? Pourtant, j'y vais souvent, je ne les avais pas vus. Ou est-ce que c'était des personnes, quoi, des vendeurs qui ont dû les trouver et qu'ils ont dû les remettre les mettre comme ça en rayon histoire de les bazarder. Qu'on les. Hop. Alors, ils sont à 1,89€. C'est du 30 cm et c'est du par 15 et c'est du 250 mg. Alors, il faut savoir que. Attendez, hop. Pardon. Alors, il y a du 250 grammes et du 120 grammes. En fait, vous avez deux styles de papier. Alors, il y a 32 feuilles et 8 avec du foil, pardon. Alors, par contre, alors ça c'est du fin. Je ne sais pas si c'est 32. Voilà.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, vous avez 16, pardon, 16 en 250 grammes et 16 en 120 grammes. C'est mal expliqué, hein. Alors, elles sont recto-verso. Alors, je vais essayer de me mettre comme ceci, comme ça vous pourrez le voir. Voilà, comme elles se présentent, vous avez de ce côté et de ce côté. Alors là, ça, c'est sur le thème Happy Moment. Ouais, on peut faire anniversaire. Voilà. Alors, celui-là, il n'est pas trop anniversaire, mais ça se marie très, très bien. Ouais, vous voyez, ça se marie très, très bien. Alors, je peux vous dire que ça a une bonne épaisseur, hein. Ça, on peut le mettre pour faire des fonds sur le thème vacances ou voyage. Très joli ce papier. Là, on peut faire des découpes. Alors là, on arrive au fin, à cela de 120 grammes. C'est ça, 120 grammes. Et là, c'est pareil, vous avez un recto et un verso. Là, c'est vraiment basé sur le thème de la cuisine. Et voilà, et là, vous avez le foil. Pareil, on peut faire des découpes. Pareil sur le thème du voyage ou du printemps. Très joli. Alors là, c'est plus basé sur la couture. Pardon. Très joli ce papier. Voilà, ça c'est pour le numéro 1. Vous les avez tous derrière aussi. Voilà. Ensuite, on a sur le Botanical. Pareil, 1,89 €. Et là, le même principe. 15 feuilles en 250 grammes et 15 feuilles en 120 grammes. Alors là, c'est basé plus sur le botanical, bien sûr, sur la jungle, sur... voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, comme ceci, faire plus vite. Très joli. Ah mais ils en avaient mis 3, j'ai pris les 3. Voilà. Elle venait juste de les mettre en rayon. Ça et ça, ça se marie très très bien. Très joli comme papier. En fait, je ne voulais pas en prendre parce que j'en ai du papier au moins pour 10 ans de scrap, au moins. Alors là, on passe aux 120 grammes avec le foil.
Mais bon, comme elle venait de les mettre, je découvre avec vous. Hein. Ça aussi, ça se marie très, très, très bien. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre un fond, par exemple, je dis des bêtises, mais par exemple, comme celui-là avec celui-là. Voilà, même s'il est fin, c'est pas grave, puisqu'après, à vous de faire en sorte de... Ah, joli. Ah, très bonne idée, là, ce qu'ils ont eu. Là, on le découpe et on fait notre base de cartes noires et ça nous fait... Une pochette ou bien à deux, c'est bien. Parfait. Très bien, très joli. Bon, je regrette pas mon achat. Et là, celui-là, c'est le Tiny Print. 1,89€. Le même principe encore. Alors là, c'est oui, ça c'est que du uni. Quoi, uni. C'est que basé sur ce principe-là. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. De note spéciale, de thème spécial. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça on peut faire vraiment des bases ou des fonds matés avec. Alors celui-là, il fait un peu mal aux yeux. Celui-là aussi. Ouais. Vous allez les voir passer dans les futures créations que je dois faire. Déjà le premier sûr, parce que j'ai une... Je vais avoir des cartes d'anniversaire à faire aussi. Alors, je pense que vous allez les voir passer prochainement. Là, et là, c'est les 120 grammes avec le foil. Oui. Très joli. Ah, j'adore ça. J'adore ce genre de papier. Alors, l'autre, il a du foil. Alors, il est encore plus magnifique. Ouais. J'adore. 1,89€. C'était affiché. Celui-là aussi, pour faire un fond. Voilà. Ensuite, eh ben, on va passer maintenant pour le jardin, mais surtout, non, le jardin, pas trop. C'est surtout pour la déco de mon bureau, de ma scrap room. Alors, là, je me suis lâchée, hein. Je vais les mettre là. Et ça aussi, ça va là. Hop, j'ai perdu le prix, mais je le connais par cœur. Alors, j'ai pris... Il est ici. J'ai pris, hop, un et deux à... Ah, j'ai perdu le prix, c'est celui-là. J'en ai pris deux à 2,99€. Hop, vous êtes en pleine fougère, là. Là, alors j'en ai pris deux. Je vais en mettre, alors, dans mon bureau, je pense, pour faire un peu plus de déco. Mais, voilà, parce que j'ai... fait mon extérieur, j'en avais acheté deux pour dehors, mais j'ai dit tiens, je vais alors bon, je sais pas où je vais les mettre, ne me demandez pas, je vais chercher, je vais calculer, parce que j'en ai plein de plantes déjà, j'ai beaucoup d'orchidées, voilà, mais voilà, là pas besoin de les assurer, de les arroser, pardon, mais je vais en mettre un aussi dans ma cuisine, je pense, voilà. Pour les pots, alors hop, je mets par terre. Pour les pots, pour mon extérieur, j'ai pris à 99 centimes. J'en ai pris deux. Alors, ils font 14 centimètres. Non.
12,5 de haut sur 14 cm. 14 sur 12,5. C'est ça. À 99 centimes. Alors, ce que je vais faire. Ça, c'est pour l'extérieur, on va dire, par exemple. Là, je vais mettre des cailloux et je vais mettre ça ici. Comme ça, parce que j'en ai mis. Alors, voilà. Hop, ça sera mieux comme ça, non? J'en ai mis avec des jolis pots que j'avais achetés à Action en verre, mais il y a eu du vent. Et comment je vais vous dire que c'est tombé? C'est tombé, tout est parti. Mais là, ça tombe. C'est pas grave. C'est en ferraille. C'est en plastique, ça ne va pas bouger. Voilà. Système D. Alors, j'en ai pris deux en noir. Et pour mon bureau, regardez ce que j'ai trouvé à 99 centimes aussi. Et j'en ai pris cinq. Alors, tous mes orchidées sont dans des cache-pots. Eh bien, je vais me faire le plaisir d'enlever mes cache-pots. Et de mettre mes les anciens pour mettre mes nouveaux cache-pots assortis à ma scrap room. Bon, c'est pas tout à fait du voilà dans les coups, mais ça reste du vert mint, on va dire quand même, parce qu'il y a plusieurs tons. Voilà, bon là c'est pas le même. Bon, vous voyez ce que je veux dire, et ça va rester quand même dans le thème. De toute façon, on a plusieurs variantes de rose, variantes de voilà. Et du coup, je me suis lâchée. J'en ai pris 5. De toute façon, c'était les 5 derniers. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, non, je prends tout. J'en ai marre de revenir. Voilà. Et j'en aurai l'utilité de toute façon. Voilà, j'en ai pris 5 à 99 centimes. Et c'est de la ferraille. Et c'est les mêmes dimensions que les noirs. C'est 12,5 sur 14 cm. Voilà, toujours pour ma scrap room. Alors là, par contre, là. Là, comment je vais vous dire que là, vraiment, je me suis lâchée. J'en ai pris 15. Oui, je sais. J'en ai pris 15. Mais je suis vraiment en train de refaire ma scrap room. Alors, il y a du rose. Du vieux rose. Parce que c'est pas rose rose, c'est du vieux rose. Et il y a du mint. On peut mélanger les deux tons, puisque ça se marie très bien. Alors, j'en ai pris 15. Les dimensions, c'est 18 sur 13 et ils sont à 82 centimes et sur il m'en reste 2, 4, 5. En sachant que j'en ai mis hier 3. Ça fait qu'il m'en restait 8, mais je vais trouver leur utilité, vous inquiétez pas. J'ai pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot, il y en a encore plein à ranger. Voilà, les dimensions, je vous les ai données. 18 sur 13 et c'est en rose. Ah oui, et la hauteur, c'est 7,5. Est-ce qu'il y a de bien? C'est un peu flexible. Bon, bien ou pas bien, ça dépend comment on se positionne. Voilà. Et ils viennent de Belgique. Bonjour à vous les Belges. Ensuite, eh bien, j'en suis où là? J'ai fini? Mais non. Mais si. J'ai fini. Mais non, j'ai pas fini. Et le principal. Eh oui. J'ai trouvé. Alors là. Alors là. Comment je vais vous dire? Hein? J'ai trouvé. Ah ben tiens, regardez. Paf. Regardez déjà l'utilité. Alors. Il m'en faut un. Et il m'en faut deux. Alors, j'ai trouvé. On prend le ciseau. Alors là, ça, c'est une grande découverte. Alors, je ne les ai pas vus passer. Ça fait que je ne sais pas si vous les avez eus ou vus. Alors, on a. C'est des embellissements, c'est en bois, on va dire. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, on a deux comme ceci. Alors, je ne vous ai pas donné le prix. Eh bien, non. Alors, celui-là, il était à
Est-ce que c'était là que je l'avais marqué? Non, c'était. Alors, attendez, je l'ai jeté. Voilà, il était là. 99 centimes. J'en ai pris 2. Bon, j'en avais pris 3, mais bon. J'en ai pris 2. Voilà. Alors là, c'est en forme de fleur. Alors, si vous avez un mari bricoleur. Alors, là, ça, c'est ma petite astuce du jour. Si vous avez un mari bricoleur, vous lui dites qu'il vous perce de là à là. C'est pas évident, il faut percer droit, je vous l'accorde. Mais vous dites qu'il vous perce avec une petite mèche de 2 ou 3 mm. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, vous pouvez faire des petites cordelettes. Alors, par exemple, vous mettez celui-là, celui-là, la petite maison, voilà, la petite tulipe. J'essaye de cadrer à ce que vous voyez bien. Voilà. Vous imaginez que vous avez votre cordelette que vous prendrez en façon un peu comme ça, tout simplement, je cherche le mot, voilà. Vous les avez aussi en bobine à action, voilà, et vous le mettez, vous faites à chaque fois un nœud pour pas que ça se défait, et vous faites des petites guirlandes. Voilà, une petite guirlande déco. Alors, je n'ai pas les dimensions. Je remets mes lunettes. Voilà. Alors, ils font 5 sur 5, les fleurs. Les cœurs, ils font 5. Hop, hop, hop. Ouais, pas toutes. Ouais, 4 et demi. Alors, j'ai l'autre cœur ici. La petite maison, elle fait en hauteur 5. Alors, en moyenne, ça fait à peu près 5, alors. Voilà, 5 aussi. La tulipe, 4,5 sur 5. Et bien, voilà. Et cette fleur-là, elle doit faire 5 sur 5 aussi. Voilà. Alors, ah non, là, j'en ai 3. Là, des cœurs, j'en ai 3. Et une maison, j'en ai 3. Alors, vous en avez 3 et 3, 6 et 3, 9, 11. Vous en avez 13 à chaque fois par filet. Alors, est-ce que c'était noté? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'était noté? C'était noté. 13 pièces et c'est de la marque Hobby Flora. Voilà, Wooden Figure. Voilà. Alors, j'en ai pris. Alors, comme je vous ai dit, j'en avais pris 3. Mais il n'y en aura que 2. Et là, c'est pareil. Hop. Vous voyez, magnifique. Et pour finir, eh bien alors là, je ne vous dis pas ma joie. Ma joie. À 2,29 €. Alors, je l'ai marqué ici. À 2,29 €. Toujours de la marque Hobby Flora. C'est des. Tout simplement, c'est des lettres d'alphabet en bois. Et il y en a 36 pièces. Alors là, je ne vous dis pas ma joie. Regardez-moi ça. Alors, les dimensions sont à peu près pareilles, il me semble. Pareil, 5. Et là, je suis à 4,2. Alors, il y a un A. On va les mettre là, comme ça. On va les voir ensemble. Là, j'ai un Q, il me semble. Un X. Un S. Un E. Ah, il y a 3 E, 3 A, un P. Alors, je pense qu'ils ont dû penser aux voyelles. Plus de voyelles que de consonnes. Là, j'ai un L, encore un O, que là, par contre, ça a été A. Attention. Alors, voilà, ça avait été mal
Pensez. Ah, ça fait sale, mais c'est pas grave. Là, j'ai un cas. J'ai encore un. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ah, non. Ça, c'est un Z et ça, c'est le N. Ah, attention de ne pas se tromper, là. Là, j'ai un petit I, encore un I, encore un I, encore un E. Ça, c'est quoi? Un N, un J, un petit D, un G. Je vous les sors tous, comme ça, vous les verrez. Alors, ça, on peut faire un... Ça, c'est un W et ça, c'est un M. Ça, c'est un petit R. R, ils auraient pu en mettre un peu plus. Hein. Y, je vais le mettre là. Ça, c'est en... Non, j'en ai pas mis. Un H. Un F. Un B. Un C. Un T, j'ai pas d'autre T. Et là, j'ai un S. Alors, le S, je l'ai vu. Et le T. Et le T, eh ben, j'avais pas de T. Voilà. Alors, du coup, on a 3 I, 3 A, 4 E, 3 O, 2 S, 2 N et tout le reste c'est par 1. Voilà, je pense qu'ils doivent considérer que voilà. Alors du coup j'en ai pris 2, de toute façon c'était les deux derniers aussi, alors j'en ai pris 2, celui-là il va aller dans ma réserve, voilà. Et quand vous faites par exemple des pages d'albums ou des créations ou du junk ou truc comme ça, voilà, ben vous pouvez mettre les initiales, voilà, pourquoi pas. Un exemple, bon là j'en ai 2, ben ça va, vous faites XO et avec l'autre vous faites XO, voilà, vous prenez le X de l'autre et vous mettez XO. Bon, bien sûr, ça va vous faire... comme pareil, quand vous faites des boîtes, voilà, vous pouvez éventuellement... alors, ça se peint, puisque c'est du bois, ça se peint. Alors, par contre, cela, je ne sais pas, mais sûrement, il y en a partout, cela, par exemple, j'essaierai lors d'un tuto... J'essaierai de vous les. De voir une. De l'imp. Tamponner. Faire un tampon. Par exemple, sur la maison, ben mettre homme, suite, homme, suite, homme. Voyez un exemple. Hein, pourquoi pas. Qui tente rien à rien. Hein. Je me dis toujours la même chose. Voilà. Mais voilà. Les lettres, bon, il n'y en avait plus. C'est bien dommage. Mais c'est déjà bien d'avoir trouvé tout ça. Et bien, moi, là, je vous dis. J'ai tout fait, j'ai tout dit. Je vais tout ranger. Eh oui, parce que du coup, j'ai dû tourner 2 vidéos. J'ai commencé à ranger la première. Maintenant, je vais tout changer celle-ci. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi, les amis. Et puis, on se retrouve, comme d'habitude, très très vite, là. Aujourd'hui, demain, voilà. On se retrouve très très vite et je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, allez, merci aux personnes qui se sont abonnées, qui me suivent. Vous êtes des amours, vous êtes géniaux, voilà. Et si vous passez par là, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. On est une grande famille. Eh oui, une grande famille. Voilà. Eh bien, moi, je te fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.